Allez. Oui. Oui. Allez. Et il traverse la ligne de défense des Nakama, dernière chance avant le coup de sifflet final. Jinx, t'en as pas marre de ce jeu à la longue? Ouais, tu fais un boucan du diable à chaque fois que tu joues. J'arrive même pas à comprendre que tu joues à ce truc, mon frère. Pourquoi tu veux jouer au football virtuel alors que tu vas jouer pour de vrai contre les Nakama demain? Super League 3000X, c'est exactement comme du vrai football, Kujo. Excuse-moi, Jinx. Les jeux vidéo, ça ne m'impressionne pas. Et là, c'est la balle vient de lui échapper. Une belle occasion manquée. La balle vient de lui échapper. Une belle occasion manquée. Ce jeu est un peu dépassé quand même. Mais apparemment, la nouvelle version va être carrément cool. Des graphiques incroyables et des effets sonores super réalistes. Ah ouais. Et aussi les meilleurs joueurs au monde. Prochainement, Super League 4000X. Les Super Strikers, je suis méga expert tellement je suis excitée là tout de suite. Moi c'est Alix, je fais la motion capture de vos techniques pour SL4000X. Salut Alix, moi c'est Shakes. Uber cool. Non, lui c'est Shakes, c'est pas Uber. Uber, lui c'est les Iron Tank. C'est une expression. Ah, soz, enfin, désolé. J'avais oublié comment les vrais gens parlent. C'est dingue. Vous êtes prêts pour la visite guidée? Hein? Yo, 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 yo! Est-ce que ce serait pas Moule Joe? Est-ce que c'est juste les égouts qui remontent ou bien c'est ce minable joueur de ping-pong? On dit tennis de table, gros naze. Pas besoin de faire les présentations, j'imagine. Hé, hey, les gars, lui, c'est Chill John, le numéro 1 mondial des joueurs de ping-pong. Tennis de table. Le moindre truc dont il entend parler... Ouais, vraiment le moindre petit truc. Il faut absolument qu'il vienne vous le piquer. Baratin! Dépassez ces techniques de débutant, gros naze. C'est moi qui lance les tendances. Ton style est ringard, Cool Joe. Ta touche fait plus mouche. La visite commence. Vous me suivez, les garçons? Ici, c'est les programmateurs. C'est des génies super intelligents qui imaginent le jeu. Les testeurs qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo et sans pipe de chocolat. Cool. Je pourrais déposer un CV? Ici, nous avons notre studio son. Les vrais joueurs et les vrais coachs de la Super League viennent enregistrer leur voix pour notre prochain SL4000X. Ouais, c'est tant mieux. Parce que les effets sonores dans la 3000 sont un peu pourris. Fin du match! Tu as perdu. Fin du match, tu as perdu. Wow. Ok, on y est presque. Vous pourriez être un peu plus estival, plus solaire. Quoi? C'est pour un bulletin météo ou du football? On reste zen. On y était presque. Prise 346, ça tourne. T'abandonnes. Et pour terminer, là où se produit la véritable magie... Les Super Strikers? Le studio motion capture. C'est là que nous enregistrons les moindres détails de tous vos mouvements. Les moindres détails, hein? Oui, c'est ça! Génial! C'était ébouriffant! Refaites-le une fois, mais bien face au micro cette fois, d'accord? Oh. Bienvenue dans notre studio de motion capture. La position et le mouvement des capteurs de votre combinaison seront enregistrés par des caméras spécifiques et les données seront envoyées dans ces puissants ordinateurs. Parfait, Alex. Évitez de motion capturer ça, d'accord? Vous en faites pas. La seule chose que je peux enregistrer, c'est toutes les techniques mythiques des Super Strikers. Let's go.
Joli travail. Cool Joe, on vous attend. Combien de fois faudra que je vous le répète? Les jeux vidéo, c'est vraiment pas mon truc. Mais le jeu ne sera pas le même sans les quatre techniques de balles liftées. J'en sais rien, mon frère. Allez quoi? D'accord, d'accord, je vais le faire. On peut savoir ce que vous faites là? C'est pas le vendredi cosplay? Attendez voir. Non. Oh, je me sens tellement ridicule. Faut pas. Il déchire votre look. Génial ce costume. Oh, merci. Hey, pourquoi n'échangerions-nous pas? Sérieux? Sérieux. Genre sérieux, sérieux? Sérieux, sérieux. Genre... Sérieux! Préparez-vous pour les 4 techniques de balles liftées. Rotation par la gauche. Rotation par la droite. Rotation arrière. Comment arrive-t-il à faire tourner le ballon comme ça? C'est carrément incroyable. Je suis impatient de voir ce truc-là dans notre jeu vidéo. Rotation par l'avant. Elle est pour moi, laisse-la, elle est pour moi. Ah, d'accord, je te la laisse. Merci, la frangine. Et vous deux, comment vous saviez où la balle allait se diriger? L'entraînement, ça rend parfait. Ah, disons plutôt l'entraînement, l'entraînement. Et l'entraînement, ça rend parfait. Le sel 4000X va déchirer! Vous nous avez carrément aidés. Oui. Vous nous avez vraiment énormément aidés, chers Super Strikers. Et enfin, les voilà. Les 4 techniques de ballon lifté de Cool Joe. Apprenez-les, repérez-les, interceptez-les. Il s'agira toujours d'une de ces 4-là. Et ça, ça nous donnera un avantage plus que certains sur les Strikers. Hein? C'était ce rire-là que j'aurais dû faire. Aujourd'hui, Nakama rencontre les Super Strikers en direct depuis le Gashoku Stadium. Ces deux équipes rivales ont des statistiques équivalentes. Mais si un joueur peut faire toute la différence, c'est Cool Joe! Le roi des centres! En voilà d'ailleurs un! Shex et El Matador sont à leur poste. Lequel des deux récupérera la balle? Un quoi? Belle interception de Miko Chen! Ça serait bien que la prochaine fois Cool Joe se sente inspiré de m'envoyer la balle, non? Oh, les Nakama ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils contre-attaquent. Les Super Strikers tentent de resserrer les rangs. Mais c'est peine perdue. Il semblerait que le roi des centres ait été déchu. Vous avez perdu, les Super Strikers. Fin du match. Tu as perdu. Cool Joe. Quoi? Je crois que je sais pourquoi Nakama peut prévoir tes balles liftées. Ah, vraiment? Et comment? Uragiri était au studio de motion capture hier. Rembobine là, mon frère. Uragiri était où? Désolé, j'imagine qu'il a vu tes techniques. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tout ce machin truc digital, la motion capture, le Bluetooth... Ça n'a rien de bon, mon frère. Hé, hey, Cool Joe, tu devrais penser à ce qui arrive à mon ego quand j'arrive pas à marquer le but, amigo. Alors ne sois pas aussi égoïste, hein? Merci.
Merci d'être venu. Rassurez-vous, on aura notre revanche lors du match retour. Et comment, Shakes? Uragiri a vu toutes mes techniques. Les quatre techniques de balle liftée ne sont plus un secret pour personne. Eh, hey, faut voir le bon côté, Kuljo. Ça peut difficilement être pire. Yo, 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 yo! Te bille pas! J'ai déjà signé celui-là pour toi. Paddle Power? J'ai vu Nakama te coller la honte, Kuljo. Je t'ai dit que j'étais le nouveau roi du lift. Mais t'en fais pas. Peut-être que tu pourras apprendre 2-3 bricoles grâce à mon jeu. Je fais des lifts que t'imagines même pas, mon vieux. Ha! Oh, vu que t'aimes les jeux, Shakes. Entraîne-toi au ping-pong en attendant la sortie du nouveau jeu de la Super League. Des lifts de table, abruti! Des lifts qu'on n'imagine même pas, hein? Niveau 1, les lifts sont pourris! Niveau 10, minable, c'est pas mal! Niveau 24, seras-tu le prochain expert en lift? Niveau 36, t'as des techniques de débutant. Niveau 50, bravo! Nouveau lift débloqué, le tir bouchon! Ouais! Wouhou! Oh, je savais que j'y arriverais. Oh. Il faut que j'aille voir Jim John! Oh, enfin, Shix, tu pourrais au moins te laver les mains! Merci pour ton aide, Alix. C'était le moins que je puisse faire après mon méga bug avec la mocap. Voilà, c'est ici. Mais je sais pas du tout comment on va rentrer. Surtout si on considère le fait que t'es pote avec Kuljo. Sous couverture, bien sûr. J'ai pas envie de dévoiler mon jeu. C'est un petit peu tard, non? Voilà! Le cinquième lift! C'est avec ça que Kuljo pourra battre les Nakama. Alors, à qui le tour? Qui veut défier le roi des lifts? Shakes! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis là pour ton tire-bouchon. Sérieusement, Kuljo, il y a un cinquième lift! Et je sais comment tu peux l'apprendre. Je t'en prie, Shakes. J'ai déjà bien retenu la leçon. Pourquoi est-ce que je devrais encore écouter tes conseils? Tu devrais au moins l'écouter, Kuljo. Ouais, c'est vrai, on a besoin de toi sur le terrain. Ou sinon, comment je fais pour marquer les buts? Mais qu'est-ce que ça change? Tout ce que Shakes a fait ces derniers jours, ça a été de jouer au Paddle Power. Ouais, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le cinquième lift, figure-toi. Les jeux vidéo, du tennis de table, Chill John... Cool, c'est jamais que les trois choses que je déteste le plus au monde. Le cinquième lift existe. C'est moi qui l'ai inventé. Je te crois, et quand je l'aurai vu de mes yeux. Pour vous aider à apprendre le tire-bouchon en mode haut débit, on va le mot-capter et l'analyser. Exactement comme Uragiri l'a fait avec tes lifts. Après tout, si un jeu vidéo nous a mis dans cette situation, alors peut-être qu'il peut nous en sortir. Y a un autre petit truc. Tout comme dans Paddle Power, le tire-bouchon va devoir être... débloqué. C'est une blague. Je veux prouver une fois pour toutes, qui est le meilleur lifter de nous deux? Je l'ai déjà dit. Le ping-pong, très peu pour moi. Des lifts de table! Il faut que je marque au jeu, alors fais-le pour moi! Et pour l'équipe, évidemment! Tout ce que tu as à faire, c'est marquer un point contre lui. C'est joué!
de match à Strike Island. La semaine dernière, nous avons vu que le niveau de ces équipes n'était plus tout à fait comparable, comme c'était le cas jusqu'alors, Brenda. D'ailleurs, le coach a procédé à un ajustement majeur. Klaus est sur l'aile gauche, quant à Cool Joe, on se demande bien où il peut être. Franchement, avec les centres de Cool Joe, c'est quand même plus facile de marquer. Mais non. Ok, peut-être un petit peu, c'est vrai. Vous en faites pas, les gars. Je suis sûr que Cool Joe a réussi à marquer ce point. Yo-yo, ce type joue comme un manceau aveugle. Arrête de faire ton numéro, le primeur, et laisse-le te battre. Juste un tout petit point. Pas question, El Matador. Je veux gagner dans les règles de l'art. Oh, l'heure est mal choisie pour les problèmes d'amour propre. Laisse tomber ta fierté. Abandonne un peu tes principes, amigo. Pas question. Je dois absolument respecter mes principes. Je suis pas un gamer comme Shakes, moi. Je peux pas jouer au tennis de table comme Chill John. Je suis un footballeur. Tu peux réussir. Ah oui, tu peux le faire. Ouais. Ah. Bravo, mec. Ouais, tu t'en sors bien, mec. Ah. 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 Oh, allez, ouais. L'effet ne ment jamais, Chill John. Le meilleur lifter au monde, c'est toujours celui qui gagne. Du foot tennis de table? C'est quoi ça? Un accord est un accord, mon frère. La seconde mi-temps vient de démarrer. Et ça s'annonce beaucoup mieux pour les Super Strikers. Il faut dire que Cool Joe est sur le terrain et il est immédiatement rentré dans le match. Wouhou! Allez, Cool Joe! Même si Cool Joe arrive à maîtriser le tire-bouchon, comment on fait, nous, pour savoir où va aller la balle? On n'a pas suivi d'entraînement pour ça, nous, pas vrai? Ouais. Et de ce que j'ai vu, le tire-bouchon est assez capricieux. Tu vas utiliser lequel, Cool Joe? On connaît tous tes lifts. C'est le moment. On va tester. Dites bonjour au cinquième lift. Enfin, espérons. Le premier des quatre. Le ballon survole la surface de réparation. Et voilà qu'il surprend tout le monde. Yeah. Quoi? Mais c'était quoi ça? Oh, alors ça, le lifter numéro 1, c'est toujours celui qui gagne. Oh. Ah, j'ai perdu. Génial. C'est crépusculaire. On va garder celui-là, hein. Oh, les gars, SL4000X est encore mieux que démentiel. Je t'ai encore battu, Ragiri. Ah, j'ai perdu. Ok,
Salut les gars. Yo 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 yo. Ah Shake, tu joues encore à ce truc démodé? Tu sais la SL4000X? Ça vaut clairement pas notre nouvelle hybride Paddle Power versus Super League. Un jeu à la gloire du lift. Je viens juste de le recevoir d'Alix. Ça a l'air chambé, je peux essayer? Tu rêves mon frère, j'en suis seulement au niveau 41. Patience mon frère. Patience. Les Super Strikers mènent par 2 à 0 et Big Boss est fermement ennuyé durant tout le match. Oh, Mac, Mac, les Nakamas sont en train de se réveiller. Oh, vraiment pas de quoi se priver d'une sieste, Brenda. Locke est là. Mais s'il va trop durement sur son tac, ce sera un pénalty assuré pour Nakama. Aucun problème pour la montagne blonde. Locke est sans doute le tacleur le plus doux de toute la Super League. Tu déchires, Locke. Votre attention, messieurs. Le festival de robotique footballistique aura lieu la semaine prochaine. Prof. Eh bien, nous pensons que nous devons présenter quelque chose de spécial cette année, alors j'ai fabriqué un robot. Représentant l'un de vous. Ah, ça doit être cool, Joe. Il est doué pour faire le robot. C'est sûrement moi. Pourquoi faire une réplique de quelqu'un qui a moins d'allure qu'El Matador? Je vous présente Roblox. C'est juste incroyable. File-moi tes fringues, tes grolles et tes protège-tibias. Tony, pourquoi cette boîte de conserve fait le voyage avec l'équipe? Parce que, au contraire de vous tous, Chipty Jokerson va me permettre de remporter un prix. En jouant contre les Super Strikers? Ah. Et l'autre différence entre Chip et vous tous, c'est que lui, il peut apprendre des choses. Imite la star du film. File-moi tes fringues, tes grolles et tes protège-tibias. Je suis pas sûr de comprendre, Tony. Il va tout simplement remporter le festival de robotique footballistique. Danger! Danger! Les Iron Tech sont déjà tes robots parfaits. Oh, pas de faute, le jeu continue, pas de faute. Et le grand prix de la robotique footballistique est décerné à... Oui, oui. Roblox. Quoi? Locke, un petit commentaire peut-être? Je peux jouer l'interprète si vous le souhaitez. Je connais le brésilien. Parlez-nous de votre jumeau électronique. Physiquement, Roblox est une réplique parfaite de moi. Comment ont-ils pu octroyer le prix à un robot décérébré? Ce n'est qu'une mauvaise réplique pire que son modèle. Et comment ils sont au football? Je ne sais pas. Prof dit que jouer contre Roblox serait extrêmement dangereux parce qu'il est fait de titane et d'hydraulique. Oh! Vraiment? Alors, quel sera son rôle à Strike Island? Bienvenue à Strike Island, résidence de la meilleure équipe de la Super League. Ah, un guide touristique. Sinon, qui sortira vainqueur du match ce week-end? Les Super Strikers ou les Technicali? Je pronostique une domination des Super Strikers lors du prochain match. Excellent! Black? Le vieux garde! À vrai dire, j'ai pas suivi les cours de brésilien jusqu'au bout. Mais si vous me posez la question, il me suffira de marquer un but et Block se chargera tout le reste. Pas si c'est moi qui me charge du Block en premier. Imite Block. Block est fou, Block. Block est fou, Block. Ah, si seulement je pouvais trouver un moyen d'intégrer ton processeur à cet assemblage primaire de boulons et de tôles. Arrête! Première loi de la robotique. Jamais d'eau! L'eau provoque des dysfonctionnements majeurs! Oh. Oh! Mais tu viens de me donner une merveilleuse idée! La technologie...
technologies de mes précédentes inventions. À titre d'exemple, j'ai recyclé un algorithme analytique pour la programmation de l'intelligence artificielle. Melon, faites sortir Roblox immédiatement. On s'y fonce. Exceptionnel ce Roblox prof. D'un autre côté, ça aurait été difficile de fabriquer un robot aussi beau gosse que moi. Ça craint Max. Je m'arrête dans fleur. Ramassez la moindre pièce de ces robots. Envoyez ces boîtes de conserve à la ferraille. Oui, ça a marché. Et le temps que les Super Strikers s'aperçoivent qu'ils sont en train de jouer avec un robot, la moitié de l'équipe aura été estropiée. Oublions ce malheureux festival de robotique, voulez-vous? Je ne veux surtout pas que ça affecte nos performances contre les Technicali. À présent, au travail. El Matador, ma préparation sera purement mentale, coach. En me rappelant moi-même à quel point je peux être exceptionnel. Hey, Bluff! Je crois que le meilleur entraînement que je puisse faire, c'est contre le meilleur défenseur du monde. Bloc, tu as failli m'arracher le pied. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air différent. Je crois que je vais aller m'entraîner là où je ne risque pas de finir le combat. Les Super Strikers sont bien trop rapides et habiles pour être blessés par ce Roblox. Mais pas mes joueurs. Salut Tony. J'ai imaginé une stratégie pour toi. Génial, je vous écoute. Tout va dribbler. Mais Tony, moi je sais pas jouer au basket, vous savez. Mais non, idiot, il veut que tu gardes la balle. Je veux que tu dribbles en fonçant droit sur bloc, John G. Johnson Jr. Ce n'est pas un tantinet risqué. Avec Roblox sur le terrain, il y aura une avalanche de cartons pour les Super Strikers et des pénalties à l'appel pour les Technicali. Je suis Roblox. Le robot Bloc, les vraies légendes se trouvent derrière ces murs. Danger, danger, danger. Bienvenue à Strike Alain, qui abrite la coupe de la Super League. Commençons notre visite. Très bien, messieurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. Être le bloc. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air différent. Hé, bloc. Est-ce que tu viens? Chez le lab. Il y a un truc qui débloque chez bloc. Il joue bizarrement, il parle bizarrement. Claire Shakes, mon pote, c'est pas comme si t'étais une pointure en brise-lovien. Ouais, mon frère, est-ce que tu prends toujours des cours? C'est une cassette. Eh ouais, technologie dernier cri en terre, brise-lovien. Glugluglugslub, glugluglugslugs. À présent, c'est à vous. Glugluglugslub, glugluglugslugs. Ouais, celle-là, je la maîtrise. À présent, zigle à glugluglugl. Glagleuse le plus glu. Hey! Ok,
cassette numéro 6. Hein? C'est bizarre. Où sont les 6, 7, 8 et 9? Êtes-vous fin prêt pour le dernier niveau de J'apprends le brésilovien? Alors, commençons. Braille, grand son balsac, l'enfant se facile. Si mon brésilovien est si pointu, alors c'est que c'est Bloc qui déraille. À présent, Zorro, Blanc, Ah! Fichu cassette! Blob, Blondler! Blable! Une de nos principales valeurs à Astrakhan est la persévérance. C'est le grand jour à Astrakhan! Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites, c'est une journée idéale pour une petite dose de football. Les Strikers ont l'air aussi vifs qu'à leur habitude, mais Chuck T. Chipperson est dans une forme olympique. Bloc devra donner le meilleur de lui-même aujourd'hui, Mac. Je n'ai aucun doute le concernant, Brenda. C'est un joueur fiable, toujours présent quand son équipe a besoin de lui. Et alors là, je lui dis... Bloc, il faut qu'on discute. Il dit qu'il a subi pas mal de pression ces derniers temps. Impressionnant, Shex. Ton brésilovien a vraiment beaucoup progressé. Ouais, carrément. Bloc, il y a un truc qui cloche, je le sais. Ton jeu, ton brésilovien, comme si t'étais quelqu'un d'autre. Globe ça bleu. Globe d'eau. T'as dit quoi? Mais qui a pris mes cassettes? Mais pourquoi tu aurais besoin d'apprendre le brésilovien? Parce que tu n'es pas Bloc. Tu es Robloc. Tu ne peux pas aller dehors, tu ne peux pas jouer. Tu blesserais quelqu'un. Robloc, écoute-moi, je te... Merci de bien penser à surveiller vos affaires durant la visite. Et pour finir, l'homme providentiel du match précédent... Non, c'est une machine, Brenda. Mais où est Shex? Aïe, je pensais qu'on aurait les 11 favoris des deux côtés. Klaus, échauffement. Eagle Eye, freeze. Où est Shex? C'est quoi la stratégie déjà? Tu fonces droit sur Bloc. Ah, c'est bien. On aurait pu imaginer que les techniques alliées enverraient leurs meilleurs attaquants se frotter à la montagne Bloc. Fais bien attention, Bloc. Un autre comme ça et je sortirai mon carton. Shex! Shex! Je comprends pas. Où il est passé? Vous cherchez les toilettes? Ils sont au bas des escaliers. Première à gauche, deuxième à droite, tout de suite à droite et puis tout droit. Prochaine station, le spa de Strakhan. N'est-ce pas le luxe absolu?
Et voilà, même les meilleures choses ont une fin. Vous en voulez davantage? Suivez-moi pour la dernière partie de notre extraordinaire visite. Et ça ne s'arrange pas pour le colosse des Strikers. Pénalty pour les Technigali. Locke ferait mieux de revoir son comportement ou il sera exclu du terrain. Attention vos ceintures, car la dernière escale de notre visite sera le garage de Strike Alan. Vous aviez vu juste, Brenda. Les Technicali ont à présent un but d'avance. Et tout ça, étonnamment, à cause des piètres performances de Block. Qui l'aurait imaginé? D'abord un joueur qui disparaît, et maintenant un défenseur dont le cerveau disparaît lui aussi. Non. Sex? Il ne reste pas personne qui s'enferme là-dedans. Ce n'est pas Block, ça vaut Block. Ouais. Et puis j'ai toujours l'habitude d'écouter les conseils des mecs enfermés dans les casiers aussi. C'est lui qui m'enferme là. Si la porte est au courant, tu seras suivant. Tu dois absolument le dégager du terrain. Block, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, enfin? Oh, moi j'ai compris. Block a besoin de prendre une douche chaude. Pas vrai, Block? Et depuis quand tu parles si bien le Brislovien, toi? Ben j'ai pris quelques cours, c'est tout bête. Block n'est pas Block, c'est Roblock. C'est un plaisance. Les tacles ultra-violents, son drôle de Brislovien, son comportement froid et détaché. Eh bien, on va bientôt savoir si j'avais raison. Et pour quelle raison, Shakes? Les robots ne prennent pas de douche. Mais si lui, c'est Roblock, où est Block? Les Super Strikers ne conduisent que les voitures les plus sympas du marché. En tout cas, voici notre guide. Quelqu'un a échangé les processeurs de ces robots. Shakes, t'avais raison, mon pote. Mais où est Block? Il dit qu'on doit aller sur le terrain pour la deuxième période, où on sera déclaré forfait. Pas de soucis, il s'en occupe. Pas l'attendre davantage, Shakes. Hein? Ils ne l'ont donc pas remplacé? On dirait bien que ton travail n'est pas terminé, John G. Johnson Jr. Locke! Tu as réussi? J'espère. La seconde mi-temps est sur le point de démarrer et les Super Strikers ont encore pas mal de pain sur la planche. Pour commencer, le coach aurait certainement dû remplacer Block, à cause duquel la victoire semble leur échapper. Block va-t-il finir d'achever ce pauvre John G. Johnson Jr. une bonne fois pour toutes? Et être sanctionné comme il se doit d'un carton rouge. Assiste plutôt au retour fracassant du Block en même temps. Doux, précis et efficace. Je suis trop intelligent. Mon invention a appris à jouer à la manière du meilleur défenseur de la ligue. Désolé, Tony, t'as tout faux. Personne ne peut jouer comme le Block. Non.
semblerait que le passage à vide de Bloch en première mi-temps soit de l'histoire ancienne. Bien joué, mon frère. T'as réussi, Bloch. Super. Où est passé ton jumeau super flippant? J'étais suspendu au sous-strike à l'Androblock s'apprêtait à me pousser quand soudainement je me suis rappelé d'une chose. Mon tout nouvel ami robot. Et à présent, pour la toute dernière partie de notre visite, tadam! Je pense que Pro devrait plutôt faire un robot qui me ressemble la prochaine fois. Mais comment est-ce qu'on sait que nous ne sommes pas tous déjà des robots? Ah, franchement, je déteste la journée nettoyer vos casiers. Cakes. Bon, on va dire que mon casier est légèrement désordonné. J'y crois pas. Ma collection de livres d'aventure. J'étais super fan quand j'étais gosse. Oh, celle-là, c'était ma préférée. Il y a une centaine d'années de ça, un homme d'affaires brésilien nommé Albert Douglas Ventura a imaginé le projet footballistique le plus improbable de tous les temps. Construire un stade au beau milieu de la forêt amazonienne. Ouh. Mais l'environnement extrême de l'endroit choisi a fait de ce projet un enfer. Son équipe le lâcha, mais Ventura persévéra, refusant d'abandonner ses rêves. Vous êtes au courant que tout ça s'est inventé au moins, non? Oui, évidemment. Ah, bien sûr. Le stade perdu est tout ce qu'il y a de plus vrai, Shakes. Ah ouais? Et Ventura est devenu quoi après ça? Il n'est jamais revenu de la jungle. L'anaconda, les piranhas, les panthères! L'Amazonie est un endroit très dangereux. Le Brésil possède quelque chose d'encore bien plus dangereux que tout ça. Et il débarque bientôt à Strike Island. C'est jour de match à Strike Island. Et les Super Strikers se battent bec et ongle contre le joueur vedette des Palmentieri. Le maître du style. Le roi de la samba. Donaldo. C'est ici que la route va s'arrêter pour toi. Ah, tu crois que vous pouvez venir à bout de mon style samba? C'est mignon. Vous avez toujours pas compris? Quand vous serez aussi doué que moi, on pourra en reparler. Le maestro brésilien parvient à faire passer les meilleurs défenseurs de la Super League pour des poussins amateurs. Ils n'ont aucune réponse à apporter face à son style imprévisible. Nanso, tu ne viendras jamais à bout de Donaldo en fonçant tête baissée. Tu dois te focaliser sur la balle, pas sur l'homme. Ouais, et pas sur le gazon non plus, mon vieux. Ça, c'est pas bon du tout, Grouch. Donaldo a sérieusement ébranlé la confiance qu'ils ont dans leur jeu. Ça, c'est un doux euphémisme. Nous avons un de nos défenseurs qui joue une partition trop agressive. Et un autre qui ne joue tout simplement pas. Allez, Plock, rien qu'un petit tacle à tout petit. Tu veux bien? Il dit qu'il va très bien. Enfin, tant que son ours, Sherrigan, le soutient à l'entraînement. Ces deux-là ont besoin de faire une pause. Ils doivent retrouver l'envie et le goût de jouer. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Et les amener à Rio à temps pour disputer le match retour? Je crois que j'ai une solution. Non, Plock. J'ai décidé de vous envoyer en stage d'estime de soi, au cœur de l'Amazonie, avant le match. On part à l'aventure dans la jungle? Plutôt dans un hôtel de luxe. Oh! Mais c'est la forêt amazonienne, coach! Normalement, il devrait y avoir du danger et de l'exaltation, et pas...
un room service et des mini-bouteilles de shampoing ou je ne sais quoi. Cet hôtel a tout le confort et toute l'intimité dont vous aurez besoin pour vous concentrer sur le jeu de Donaldo. Et contre qui on est censé jouer alors? Le bagagiste peut-être? La plus grande force d'attaque du monde. Est-ce que je vous avais déjà dit que j'avais été un cadet de la vie sauvage? Je promets d'utiliser mes connaissances des cadets sur la survie pour vous protéger au cœur de l'Amazonie. Ouais, Klaus! Peut-être même qu'on pourra utiliser ton badge pour le room service. Eh bien, si ça peut te faire plaisir. Tu vas devoir tirer le meilleur parti de la situation, mon vieux. Même pas en rêve! Et celui-là, vous voyez, c'est mon brevet de navigation de cadet de la vie sauvage. Mon brevet d'allumage de feu de camp, mon brevet d'air guitare, mon brevet de mime, mon brevet d'écoute bienveillante, mon brevet de crochet, ah, mon brevet de meilleur copain, mon brevet d'avaleur de pancakes. Alors là, je crois que ça va être épique. Heureux de constater que tu essayes de voir le bon côté des choses. Ça sert à rien de se plaindre. Yep. Je vais certainement tâcher de tirer le meilleur parti de la situation. Descendre! La solidité de cette jetée a été validée par un cadet de la vie sauvage, vous ne risquez rien. Attends un peu, North. Le coach a dit que quelqu'un de l'hôtel viendrait nous chercher. Arrête! L'hôtel est juste là-bas au coin. Et puis, il faut qu'on commence à s'entraîner le plus rapidement possible, non? Ouais, mais... On a notre équipement, on a les joueurs, tout ce qui nous manque, c'est le terrain. Ok, mais seulement si tu es bien sûr de savoir où se trouve notre hôtel. T'inquiète, mon pote! Je sais exactement où est-ce qu'on doit aller. Dancing Rasta, c'était l'hôtel au téléphone. North et les autres n'étaient pas là au rendez-vous. Quoi? Ils sont quelque part au milieu de la jungle. Je te charge personnellement de les retrouver. Mais coach, ils sont perdus au milieu de l'Amazonie. Ça va être comme essayer de trouver... Les mecs, ils sont perdus en Amazonie, c'est ça? Alors je le ferai moi-même. C'est quoi ce truc? Quoi, ça? De la cendre volcanique et... de la pastèque. Ouais, je vole pour des missions particulières. Je vous engage. Je m'appelle Mara. Vous emmène où? North, t'avais pas dit que l'hôtel était juste au coin là-bas? Relax! C'est juste un très très grand coin. Hein? Ouais, c'est quoi ça? J'ai eu le brevet d'identification des bruits chez les cadets de la vie sauvage! C'est un rugissement de panthère! Non, non, c'est le vent! Ou peut-être l'orage? Non, je sais! C'est une cataracte! Cascade tournée de vent. C'est fini pour Sharingan. C'est fini. North, dis-moi ce que tu as fait. Pourquoi on devrait s'enterrer dans un hôtel pourri quand on peut profiter d'une aventure sensationnelle? T'as pas fait ça? Et si? On va tous partir à la recherche du stade perdu. Mais c'est du délire! C'est une histoire totalement fictive, il n'existe pas! Shakes? Mes qualités d'observation de cadet de la vie sauvage me disent que ça pourrait être vrai. Descendre. On restera en contact pour organiser la récupération, quelque part là-dessous. Ça, c'est un atterrissage comme je les aime.
Vous êtes vraiment sûr de vous? J'ai un match à gagner, jeune femme. Tu vois, on est clairement au bon endroit. On était censé s'entraîner pour notre prochain match. Pas se lancer dans une chasse au trésor. Mais c'est là que c'est vraiment cool, mon pote. Quand on l'aura trouvé, on pourra s'entraîner dans le stade perdu. Franchement, un véritable terrain, c'est quand même bien mieux qu'un parking d'hôtel, vous trouvez pas? Et ce n'est pas comme si on pouvait revenir par là d'où on est arrivé. Tu es conscient que c'est le pire des plans qu'on puisse imaginer, j'espère. Relax, c'est une chouette aventure, mon pote. Bon, d'accord, Monsieur Ventura. Montre-nous le chemin. D'accord, d'accord, tu avais raison. Le stade perdu est bien réel. Bon, on y va ou quoi? Je te rappelle qu'on est là pour s'entraîner, mon vieux. C'est vrai que c'est bien mieux qu'un parking d'hôtel, hein, Norv? C'est impossible! J'arrive pas à la suivre! Ah, génial! On est coincé au milieu de nulle part et on peut même pas s'entraîner. Vous en faites pas, les copains! Je vais utiliser mon entraînement de cadet de la vie sauvage pour imaginer un plan de secours! On sera sorti d'ici en un claquement des doigts! On ne sortira jamais d'ici! Et c'est entièrement ma faute à moi! Parce que je suis un imposteur! J'ai eu tous les badges de cadet de la vie sauvage sur un site internet! Attends, tu n'as jamais eu besoin de sortir de chez toi? Ben, j'avais quand même ma fenêtre ouverte. C'est absolument pas ta faute, Clown. C'est la mienne. Mais tu sais, me faire balader par Donaldo, ça m'a mis la tête à l'envers. Mais au lieu de faire face à la situation, je nous ai embarqués dans cette stupide aventure. C'est une bande-tête! On est fichus! Gauche! Mais comment vous nous avez retrouvés? J'avais placé un émetteur sur Sheriga. Je me doutais que ce serait la seule chose que vous ne risqueriez pas d'abandonner. Alors, est-ce que vous avez au moins réussi à vous entraîner? Le terrain est couvert de racines. C'est vraiment bien trop imprévisible. Imprévisible, dis-tu, c'est ça?
Reposez-vous, messieurs. On s'entraînera dès le lever du soleil. À quoi ça sert de faire autant d'efforts si vos amis ne sont même pas là pour admirer votre charme incomparable? J'en viens presque à regretter les chaussettes puantes de Shakes. Ou pas. Écoutez-moi, les gars. Si le coach a dit qu'il allait retrouver nos frères, c'est qu'il le fera. Alors nous devons faire notre part du travail en donnant aux palmiers du fil à retordre comme ils n'en ont jamais connu. On va sortir toutes nos tripes dans cette première mi-temps et tâcher de maintenir le score à 0-0. On peut y arriver, non? Oui, capitaine. Alors, prouvons-le. Allons sur le terrain et faisons-le pour nos frères. 1, 2, 3. Superstrikers! Et c'est parti! Je n'avais jamais vu les Superstrikers recourir à une configuration si défensive. C'est peu étonnant quand on pense que la moitié de l'équipe n'est pas sur le terrain. Qu'est-ce que le coach peut avoir derrière la tête? Aucune idée. D'autant qu'il n'est pas là non plus. Est-ce que les défenseurs de l'équipe de réserve pourront stopper le roi de la samba? Hein? Ils n'en auront pas besoin! Dancing Rasta vient de réaliser un tacle incroyable! Les Superstrikers semblent abattre tous leurs atouts! Même les meilleurs attaquants jouent aujourd'hui en défensif! Mais la question est, combien de temps pourront-ils tenir ainsi? On est presque à mi-parcours! C'est pas le moment de flasher! Et voilà les palmentiers qui repassent à l'attaque! Ce sera la toute dernière occasion de cette mi-temps! Et cette fois, Donaldo parvient à déjouer le tacle de Dancing Rasta! Les défenseurs de la réserve stopperont-ils le roi de la samba? Et non! Son jeu de jambes est bien trop imprévisible! C'est l'extase pour les palmentiers! Mais l'agonie pour les Super Strikers! Y aurait-il un spectacle de mi-temps dont on ne nous aurait rien dit? Vos coéquipiers ont fait du bon boulot. À présent, c'est à votre tour. Hara. Cette fois, ça va vraiment être un atterrissage original. Sur le point de commencer. Et nos informations ne sont pas confirmées selon les... Brenda! Chose possible? Mais, vu comme North Shore et Block ont joué la dernière fois, leur coach ferait mieux de garder sur le terrain les joueurs de la réserve. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps! Après le dernier match, j'ai bien cru que vous aviez fini par fuir en courant. Je vais vous faire regretter de ne pas l'avoir fait. Maintenant, souvenez-vous, fixez la balle et pas le joueur. Coach, on a essayé. Lamentablement échoué. Le terrain est beaucoup trop imprévisible. Courage, mon vieux. Je sais que ça n'a rien d'idéal, mais... Dois savoir tirer le meilleur parti de la situation, c'est ça? Quoi? North et Block ont récupéré la balle simultanément. Waouh! Mais comment ont-ils fait avec un Donaldo aussi imprévisible? Yes! Ça sent bon! Vous voyez, ce terrain imprévisible est la meilleure manière de nous préparer à un joueur imprévisible, comme Donaldo. Mais en quoi ça pourrait nous aider si on ne peut pas arriver à temps pour le match? Ne vous en faites vraiment pas pour ça. Notre taxi est déjà quasiment là. Mais avant de partir, je voudrais qu'on essaye une dernière chose. J'ai vu ce que les défenseurs avaient appris. À présent, je veux voir les attaquants à l'œuvre.
C'était chouette de bosser pour vous, coach. À vrai dire, j'ai encore une petite mission pour vous. Voilà comment on soigne les courbatures et les tensions musculaires. Ah, je crois que j'ai vraiment mérité mon badge de relaxation cette fois. Les gars, venez jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez quand Nerf nous a dit qu'Alberto Ventura n'était jamais sorti de la jungle? Yeah. Eh bien, c'est parce qu'il avait terminé le reste de ses jours à se prélasser dans cet hôtel. Ah, c'est bien dommage que North ne soit pas là pour voir ça. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas voulu venir profiter de cet extraordinaire moment de détente. Non, ça a horreur de ce genre de choses, vous vous souvenez? Alors je lui ai offert une nouvelle chance de communier avec la nature. Ah, ça craint!